Bama, c'est à Pampiaka. J'espère que vous sentez bien. Vous me recevez, bah, message, je me recevoir, bah, appel à Beno. Fallait au moins Moussa Mouakim, pour que je me retourne à Yemi. Parce que je suis pour que je me demande de me trop. Mais maintenant, bah, annonce, fallait pour un frère congolais qui a un concert à Beto, à Massamba Deba. Vraiment, coup de chapeau, force, c'est un artiste qui se bat. Mais Benza a bien chaque membre qui a commis ce que moi, je veux. Ce qui m'a étonné grave dans le spectacle, c'est que les artistes congolais confondent toujours les époques. Donc, malgré les efforts ben à fournir, malgré l'évolution, malgré les acteurs culturels, manière, les followers, les artistes vont dire abonnés, ou bien ils vont 100K, ils vont 25K. Mais ils vont avoir toujours l'évolution. Donc, malgré que pour tout le monde, ils sont toujours ingrats. Même si il y a salak bac ba candidat bac la DEC qui publie que ba liste provisoire avant même un mois avant même bac même BPC même CEP il y a soit disant le diplôme le plus bas de l'échelle ba l'en publie jamais ba liste il y a examen 10 heures du temps après examen. Mais si vous avez publié la liste avant, il y a qui permettre de faire des revendications, de les sonner pour les gens. Si vous avez un artiste qui a conseillé à Fali, vous avez publié la liste na coquille, donc vous avez un qui a. Donc imaginez, on gêne mes oignons dans la pipe. Imaginez, donc tu ne prends même pas le temps de te préparer. Seul bois, que tu as là vraiment niveau, il y a manque de professionnalisme, il y a un bois avec toi. Mais maintenant, concert, il y a Bouba. Concert, donc, affiche, ben, qui va informer. Et vous pensez que c'est pour rien que publier la liste à Beno, même pas 24 heures avant le spectacle, pour vous faire croire que ce n'est pas vous qui faites l'actualité. C'est pour vous dénigrer complètement. Il y a rien à vous faire comprendre que ni Ben veut que PS Force n'a concert à Fali. Ça veut dire qu'on ne veut même pas associer l'image. Il y a Beno, na conseil quoi. C'est un manque de respect. Moutala interview moi sur Gaz Fabuleuse, j'avais vraiment aimé quoi. Franchement, coup de chapeau au frère. Le gars a dit qu'il est temps qu'on responsabilise les petits. Il est temps qu'on responsabilise la nouvelle génération. Alain Saadi avait levé des rideaux. Bentel Gaz Fabuleuse. Mais il y a combien des artistes qui sont dans la liste? L'impôt, au moins, carrière à banner à Gaz Fabuleuse. Parfois, il y a même des artistes qui ont dépassé Gaz Fabuleuse dans la carrière. Mais regarde un frère qui prend position. Il a dit non. Ça coûte quoi un artiste de m'inviter à son spectacle? Je viens comme un invité. Parce que aujourd'hui, il y a des gens qui font des débats à mon nom dans le quartier. Ça dit, bah, artiste, nous, que ça a levé des rideaux. Plus jamais, ou enfin, on a commencé à débat. Hein. Donc un artiste, tu as 10 ans de carrière, tu as toujours un peu de lever des rideaux. Je ne peux pas pousser un chroniqueur, je ne peux pas rap. Le rap va disparaître. Franchement, je ne peux pas trouver une motivation pour continuer dans le hip-hop. Donc, dans le spectacle, je suis un candidat officiel. Il y a un candidat libre. Monsieur Korkoup. Maintenant, il est caché. Il faut bien publier, mais aussi caché. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des artistes qui ne vont jamais évoluer, qui resteront toujours dans l'ombre. Malgré les temps, bien qu'il a manqué de professionnalisme. Donc, toute ta vie, il va toujours lever les rideaux. Il va toujours la première partie. Quand est-ce que le temps va valoriser en tant qu'artiste? Et ce qui est bien dans tout ça, mon azolam peut ma concurrence ça va marque, hein? Concurrence ça va marque à boisson, concurrence ça va marque y a réseau de communication. Aujourd'hui, si tu as signé un contrat na réseau de communication à Monsieur Corp, ça veut dire que na concert une que organisé. Dans le réseau de communication à DSP Malakai, il a participé. Parce qu'il y a même un gourou du Congo, normalement, qui allait être là. Mais vu qu'il a un contrat de l'autre côté, il ne peut pas venir parce que c'est sponsorisé par une marque opposée.
Mbona zolaya we miagana mingo si marge sa dog en signé contrat na monsieur Corp mais dès se me organiser concert ana nyonga quoi ah ça me signé contrat muzo yimba des artistes jusqu'aujourd'hui qui demeurent des fans. Mais je vous dis les frères, les époques ne se ressemblent pas. Époque et quelques époques, il y a vrai tama na époque tama. Aujourd'hui, on a des artistes comme les Afara Tsena qui na ku cartonner, qui na ku chicoter le monde entier. Batidiane Maro qui na chicoter le monde entier. La vocalisation style de musique, il y a mal malou nulle part ailleurs. Mopacho, une danse qui aujourd'hui, il y a pas. Le Congo se place dans tout. C'est le Congo qui fait l'actualité. Malheureusement, les artistes ne se réveillent pas. Moi, bon, j'ai l'impression que nous avons un côté pour exaucer ma rêve, ma prière, ma bâle. Il y en a beaucoup de lala qui a un pilier pour me comme star à croire. Ah, ma bête croire dans la magie vraiment. Les artistes ming au fait qu'ils comprennent ça, me n'est pas la visibilité. Les artistes ming ont comprendre ça, me n'est pas la respecter. Ce n'est pas forcément que vous êtes plus talentueux. C'est parce que vous faites la fierté. Rien que cette fierté-là, vous méritez tout. Ne vous trompez pas. Il y a des artistes, mais ils ont un vrai besoin. Ils ne peuvent même pas signer quand ils lèvent des rideaux. Même si vous ne pouvez pas faire. Pourquoi? Parce que le peuple ne peut pas confiance, ne trahir le peuple. Aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à faire une vidéo qui peut atteindre un cas. Même j'ai un bagage avec un même dit j'aime comme magie faut booster malgré les gens à booster ni bah indien moi qui n'a pas dit j'aime le même bas c'est ça concerne l'Inde ou l'Ukraine. Vous pensez que chaque offre est une opportunité quoi, donc vous pouvez pas décliner de l'offre. Même les Maître Gims, regardez un artiste comme Maître Gims, ça se passe toujours en RDS parce que c'est rare n'a qu'un artiste congolais décliner offre. Maître Gims, on l'a sollicité. Vous avez vu comment est-ce que le gars a fait la une. Mais le gars a dallé. Nos artistes congolais n'ont pas de vision. Ils ne font pas des choses. Aujourd'hui, moi je m'appelle Despe Malakai. Je suis rappeur bon. Dans 2020, il faut moi atteindre ce yé. 2021, il faut moi atteindre pilier. Donc, malgré que vous avez un coach, un développement personnel, mais vous n'arrivez même pas à pratiquer ça. Un artiste doit avoir des objectifs. Il y a deux ans, moi qui vous parle, moi j'ai des objectifs. Mais tellement, ça fait deux ans que je suis dans le game. Deux ans seulement. Vous avez vu ce que j'ai accompli, mais parce que moi j'ai des objectifs à long terme. Si il s'agit seulement de Nambongo, mon estime est fâché ou bien aussi bien ouamou quelque part. Mais est-ce que ça va permettre? Voilà pourquoi aujourd'hui le Congo a aucun artiste na katcha showbiz qui n'a 5 ans de carrière, 10 ans de carrière. Au Congo il y en a pas. Pourquoi les suceurs? Jusqu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à comprendre. Aujourd'hui, nous avons des artistes qui sont capables de faire des débats seuls. Ne vous trompez pas. Il y a des artistes congolais qui sont capables de faire des préfectures seuls. Il y a des artistes congolais qui sont capables de remplir ça à la mairie. Mais pas que tout le monde a levé des rideaux. Moi, je me demande vraiment, ma manager, en gros, tchadien. C'est-à-dire, ça, c'est un point qu'il faut que souligner. La majorité des artistes congolais, bas au dans entourage à baou, famille, camarades à quartier, bas boula bas fiela ensemble. Mais le gars là va te dire quoi? Il y a un truc qu'il a besoin, car quand même bien dépenser, bien nos filles, bien nos whisky. Voilà pourquoi les artistes, vous êtes mal entourés, vous êtes mal conseillés. Ben Bokilo aussi bas ils vont ça analyse. Ça coûte rien, tu es un artiste. Ne veux Bokilo soit Manuel Actu. Gamé Bokil DSP Malakai, Gamé Bokil Monsieur Corp, ah, même que tu as bien que ça va analyse, franchement, bon. Par rapport à carrière à mon, est-ce que bien que vous avez Kimbele conseiller mon? Bien que demandez que conseil V, car vous conseillez, donc, entourage, vous pensez que moi je suis milliardaire? Bah, il y a un entourage, j'ai un baba n'a pas pauvre. Ou courage que vous avez accusé aussi mon vérité. Beaucoup de gens sont frustrés, même dans l'entourage, il y a parfois, il y a un. Parfois, il y a deux qui est éveillé. Mais comme il n'a pas la cote, comme il y a un artiste qui veut maman aussi, il y a un artiste qui coule avec le quartier aussi,
y a un peu frustré, y a un peu boulard, flash, par exemple, babouleur. Eh, maman. Et y a que même un artiste vraiment, moi, même surpris, n'a pas beaucoup comme baboubier, quoi. Donc, moi, je me demande, vous savez, il faut aujourd'hui que les organisateurs des événements soient capables de défendre le choix. Quand vous organisez un événement, vous choisissez un lieu, il faut qu'il y ait une raison qui accompagne le choix. Quand vous choisissez les artistes qui vont faire la première partie, il faut qu'il y ait des raisons qui vont démontrer vos choix. Je vais citer le nom d'un petit qui est très talentueux. Parmi tous les artistes congolais qui ont rappé dans Lingala, il n'y a pas un artiste qui a fait un morceau thématique, le petit Tsuna Baby. Pendant que nous sommes montés de se battre, comment est-ce qu'on va faire pour élever petit? Personne ne se préoccupe du petit. Mais aujourd'hui, on a levé des rideaux à Fali, vous mettez le combat Tsuna Baby. Vous voyez comment est-ce que vous gaspillez la carrière des petits? Donc c'est maintenant que vous reconnaissez la valeur de ce petit. Donc, tout ce que le petit l'a fait, il n'est pas talentueux pour vous. C'est seulement aujourd'hui, c'est comme si Baba pèse un nombre de côtés à bas artistes qui s'est levé des rideaux. Mais le coup, il y a combien? Il faut que ce soit artiste qui n'a pas bouclé là-bas. Ah, il y a des petits qui ont été. Ah, il y a des. Ah, et ces petits qui ont été. Ah, il y a des. Allez. Petit qui ont été. Donc, vous voyez comment est-ce que vous êtes des ingrats? Aujourd'hui, tu n'avais bien devenu un artiste. Alors que le petit là a fait des preuves, son morceau, mais franchement, il y a un thème qui est d'actualité chez nous. La lutte contre la délinquance. Mais quel est le morceau qui allait vraiment accompagner ce projet? Quel est l'artiste qui allait normalement accompagner ce projet? Le petit là a fait un morceau qui a décrit carrément les faits historiques de ma bébé noir. Mais moi je me demande, vous pensez que vous managez plus que nous quoi? Comme Betkiba manager, Betkiba, on n'a pas les fonds pour créer les événements, on n'a que les idées. Vous pensez que vous nous dépassez? Mais à l'époque, DS Malaka n'existait pas. Voilà pourquoi Salade, Vanda, Benmani Salba, Salade, Yandunda, Bemessal, Lendif, Bemebak Bari, Bemessal, Salade à Bari. Awa Benen Sadi avait Salade à Bari. Parce que Bari, il y a que des fruits, il y a que des légumes aussi. Parce que Benzaï Maniabak Kundaya. Aujourd'hui, Tsuna Baby est devenu un artiste. Combien de fois vous avez boycotté le petit? Zico y a déblé révélation de l'année. Il n'y a pas un morceau plus commercial actuellement que Nibeto. Vous ne donnez jamais la chance au nouveau. Mais quand vous êtes en manque, ben c'est quoi maintenant les artistes? Respectez les artistes. Respectez nos artistes. On va commencer maintenant à porter plainte dans les organisateurs des événements. Mais après, je vais porter mes plaintes quand les artistes eux-mêmes ne se défendent pas. Ça, tu vas voir qu'on avocat des artistes. Ben, tu as manière de se salir, ça, ma carrière à Beno. Mais Ben, moi, je vais faire un cas, mais il y a quand même historique, il y a suspect 95. Mais même vous tous, il y a même scénario. Hein. Vous, ben, moi, je vais faire aujourd'hui, il y a un challenge. Vous voyez l'hospitalité, à un moment donné, comment c'est mauvais l'hospitalité? Aujourd'hui, on a permis que n'importe l'artiste qui est un seul qui mène, on l'accompagne. Mais le fait que permettre par artiste me couma, c'est ni ben bafan, hein. Vous avez incité même un artiste, un géant comme Roga Roga. Mais bien que vrai bazin poli, hein. Ça dit, moi je me demande un niveau d'éducation à voir. Ni bah wifi, y a pas moins de personnes dans des bouzobia et ouamak. Un artiste vient pour un concert, il y a que objectif, hein, il me permettre un sa concert. Ben me couma, tu n'as un niveau à quoi ça va pique. À un grand comme Roga Roga. Vous avez sollicité aujourd'hui, le gars a répondu présent. Quelles sont les marches que Ben a préparées avec Sam? Vous pensez quelques blagues? Ma flash me ban déjà de l'autre côté. Betke Kouen, Betke Mwangi, c'est Abete Salé à Pilier. La concurrence, c'est le game. Le game, il y a la concurrence. Ne vous voilez pas la face. Oh non, c'est un frère, il faut que moi accompagne. Ah, à un moment donné, moi, je suis en banda. Que bana moi c'est compliqué. Ben sale attention, ben sala ba choix, ben zaba veao. Quand on fait la musique, il faut toujours chercher des références. Il y a un artiste que vous connaissez bien, Suspect 95. Le gars là, il est tellement ambitionné
Il a tellement des objectifs, il a tellement la rage, il est tellement talentueux, il veut changer de cap. Malheureusement, il n'avait pas un manager qui avait un cerveau compatible à ses attentes. L'artiste était obligé de faire une formation de management parce que lui-même, conscient qu'il est, après la formation, le manager lui-même me comprend que Articienne, elle est Bernie Diaven. Au fait, on a compris qu'il y a certains managers qui choisissent les artistes par rapport à leur niveau d'intellectuel. Par rapport à niveau de compréhension. C'est-à-dire que si vous bac artiste est facilement, vous les vouniandi, vous les natienne. Beaucoup des artistes doivent se séparer de leur manager. Sinon, on a vu des artistes. Hein. Il a un community management, un staff, un studio, il a un réalisateur, ils ont le budget, ils ont le producteur, il y a l'art. C'est encore, ouais. Ngoumou! Même dans ma cola, il y a un boulevard showcase. Parce que manager, il y a un artiste, il y a un peu de bon. Mais manager, il y a un peu de temps, il y a préparé carrière artiste à long terme. Suspect 95 aujourd'hui s'est séparé avec son manager et elle me comprend qu'il peut même mieux gérer sa carrière. Beaucoup des artistes congolais, ben atela ben ba manager, une bande de famille. En fait, oncle ngai ngai na so mani akou dianga na zo ngai ve, ame lut na mani ma manager. Manager ni cauchemar ngai la vie. Kebe, mangé na ti très chargé na mayaka wa Tchad. Mena na virage sa ta fille mangé lenda. Carrière musique inda. Ben vendre des objectifs à long terme. Il y a donc aujourd'hui il y a même des fans qui ont la vision artiste mais artiste donc moi la porte noire hein. Fans qui ont la artiste c'est un non un niveau artiste un niveau à monter un niveau à Brazzaville mais artiste il y a aussi un gars courant la carrière un gars dans ma cola quoi. Aujourd'hui beaucoup des artistes qui ont bénéficié de la visibilité à Batiakaka. C'est parce qu'aujourd'hui, on a décidé que le Congo doit se lever. Mais non, moi, ma lumière à Beto, quand on a que moi, Ming, si on a zoa, ni que on a que les mains qu'on croit à Beno. Mais, je vous dis, époque à Tami Memanissa. Époque à Memanissa, plus jamais, ben était des époques à Tami Foutouka. Ben, lever des rideaux, il faut y aller à Manissa. Il faut que ben responsabiliser Beno. Qu'on vous appelle. Comme des invités, parce que vous faites la fierté. Mais imaginez, Bastard, parce qu'on s'est levé des rideaux. Maintenant, n'en que défendre avec tout. Si aujourd'hui, Belimbet qui était là comme Bastard, parce qu'on s'est levé des rideaux. Maintenant, n'en que défendre à payer. Comment Benet qui se boit? Il n'y a pas de cachet, un bon cachet, il n'y a pas de cachet. Moi aussi, je suis rappeur comme vous, même si on vous le demande. Mentionnez les cachets. Il y a un bat qui est un cachet. Il y a un bat. Il y a que boule. Mais t'es là pour te sa communication qui m'a. Bon, c'était Despé dans la maison chez Monsieur Corp, comme on l'a dit. Bref, il n'y a pas de jingle.